Il faut s'attendre à une offre supérieure aux 180 millions d'euros formulés. Le Real va formuler une troisième offre à hauteur de 100 millions d'euros. Le PSG a dit non pour les 180 millions d'euros. Mais Pérez voudra discuter avec les dirigeants du PSG qui demandent un prêt entre 2,3 millions et 3 millions d'euros, alors que à Madrid on se montre pessimiste. Alors que Mbappé a publié un message avec Hakimi et Neymar, le scepticisme s'est mis du côté de Madrid. Eden Hazard n'ira pas à la Juventus cet été, tandis que Pavel Nedved le sera après la température et il pourra revenir à la charge l'été prochain avec un prêt. Après, avec option d'achat n'est pas à écrire. Quant au Real, il pense à son style Mbemba. De même que l'OL, c'est un milieu offensif qui évolue au FC Porto, pourrait le laisser finir pour 8 millions d'euros, tandis que Piqué juge le duel entre Arcaïfi et Pérez. Il a déclaré que Pérez a toujours été un stratège et il a prouvé que j'ai eu mal au cœur quand il a fait le transfert de Figo en 2000 recruté au Barça. Tu ne peux pas imaginer, il faut s'attendre à tout avec Pérez. Ce que je sais, c'est que Nasser ne veut pas laisser partir Mbappé. S'il n'a pas quelqu'un à présenter, je ferai tout pour acheter Mbappé maintenant. S'il reste une année de plus à Paris, il pourrait renouveler son contrat. Nasser va tout faire pour le séduire. Ce que nous savons déjà est une saison à jouer avec nous. Messi et Neymar à être capable de tout gagner. Et aide aussi. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.